Salut tout le monde, c'est Jack Tarsonius, on se retrouve pour Dreams Come 2. Ça faisait longtemps, et oui, ça faisait deux mois en fait, à partir du moment où j'enregistre aujourd'hui, puisque je crois que c'était le 14 mai ou un truc comme ça, la dernière vidéo que vous avez eue. Alors, on va reprendre 2-3 points. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant si longtemps que ça? Bah, j'ai eu, dans un premier temps, un enregistrement qui a planté. Là, j'enregistrais avec Fraps, mais donc avant, pour ceux qui savent. Qui se souviennent surtout, j'enregistrais en fait avec mon boîtier d'acquisition que je branchais tout simplement mon deuxième écran qui était en écran dédoublé, c'est-à-dire que ce qui se passait sur mon écran d'ordi se passait en même temps sur ma télé et qui a été enregistré par mon boîtier d'acquisition, de même au niveau du son. Sauf que justement, bah, le son je n'ai pas eu sur le dernier enregistrement que j'avais fait. Et c'était la merde. Soit je mettais juste de la musique vite fait à l'arrache. Pour dire de meubler un peu, soit je refaisais tout et la musique à l'arrache ça me plaisait pas trop et je n'avais pas le courage de tout relancer dans l'immédiat, de retourner ça dans l'immédiat. Plus j'ai bossé pendant un mois dans une usine, c'était infernal, ça m'a défoncé mais un truc de fou. Et puis du coup j'ai eu plein de choses à faire et donc voilà, 2 mois sans du XCOM 2, j'en suis vraiment désolé. J'ai vraiment essayé plusieurs fois de refilmer. Mais comme j'ai eu en même temps aussi des problèmes d'ordinateur, j'ai eu des problèmes de chauffe, de machin, des trucs de bidule. Là tout est résolu, pour ceux qui sont pas au courant, je vous refais un topo. J'ai foutu un nouveau ventilateur grâce au don. Bien, très important de le préciser. Grâce au don que j'ai eu, j'ai pu me prendre un nouveau ventilateur, donc changement de ventilateur. J'avais viré celui de base en fait qui était fourni avec le PC et tout. Fait que le PC, je sais plus avec quoi il était livré, c'était avec le boîtier, la carte mère ou le processeur, puisque j'ai monté mon PC moi-même. Tac, on change la pâte thermique et écoutez, le PC tourne 15 fois mieux. D'ailleurs, j'avais peur qu'au niveau des FPS, là ça se casse la gueule, puisque je tourne avec Fraps du coup, puisque vu que vraiment mon PC il devient d'un seul coup deux fois plus puissant, donc clairement il y avait un problème de chauffe, tout ça. Donc maintenant, ça devrait être un peu plus simple pour filmer, ce qui va vraiment m'aider, parce que je suis honnêtement pas très motivé pour faire un truc que j'ai déjà fait, même si c'est long, il y a longtemps. Surtout qu'en ce moment, en fait, j'ai plus envie d'un jeu qui bouge, à la limite bourrin, FPS, tout ça, plutôt que de jouer à un jeu un peu lent, un peu stratégie, tout ça. Honnêtement, je préfère être honnête avec vous à ce niveau-là, même si vous en faites pas. XCOM 2, faut qu'on le fasse, parce que parti comme c'est parti. Pour la rentrée, j'aurai clairement, quasiment, plus de temps à consacrer à YouTube, donc je ne sais pas du tout comment je vais me démerder. Vu que je ne sais pas du tout en fait vraiment combien de temps ça va me prendre, tout ça. Pour information, je repars en études à 25 ans, je vais essayer de repartir dans un BTS, un alternance, machin, truc et tout. Ça va piquer. Ça va clairement piquer. Je reparlerai un peu plus tard pour les quelques-uns que ça intéresse éventuellement. Puisque comme vous pouvez le voir, voilà, j'avais fait d'autres sauvegardes et tout, mais vraiment, j'avais filmé genre 3 sessions, la première pas de soucis, la deuxième le son implanté, du coup la troisième, bah elle est pas vraiment raccord avec ce qui va se passer, enfin c'est assez chiant et infernal quoi. Alors attendez, c'était la dernière, putain, oh, 11 septembre, voilà, on charge. En plus, là je viens de relancer le jeu. J'ai eu un gros flip parce que le jeu qui me dit que les mods installés et tout sont pas lancés, machin, problème de stabilité, bidule. Je fais waouh, non, je vais pas être obligé de refaire tout le jeu quand même. Parce que là, franchement, j'aurais dit merde. Hein. J'ai dit, on pose le jeu là, dans un coin, on le laisse, il est bien, il est gentil. Et on fait autre chose, quoi. Alors, que je me souvienne, on devait partir en mission. On devait partir en mission, toute la vidéo était consacrée à une mission importante et tout ça. Je vais juste vérifier que bien dans la liste des Gugus, voilà, les armures à l'eau, elles sont bien chargées. En plus, le pire c'est que du coup j'avais pas encore fait tout le montage et juste après avoir fait la session de jeu, j'avais passé genre 1 heure ou 2 heures à changer les équipements de certains pour qu'ils aient des trucs un peu plus stylés et tout, un peu mieux raccord. C'est démotivant quand tout se casse la gueule sous vos yeux, c'est chiant.
Donc, bah écoutez, bah on est parti, sans plus de... Voilà. Construction relais radio. Non, construction relais radio, mission. Coordonnées du site secret. Est-ce que c'est bien ça? Enquêter sur la forge d'Advent, c'est bien ça. Alors on a quoi? Des archons, des porteurs de boucliers d'élite, des prototypes de sectopodes, des CEM lourdes, lanciers d'élite, Andromède et sectoïdes. Ok. Alors, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est nouveau ça. Ça a montré les perveries. Parce que du coup, bah évidemment, tous les modes que j'ai installés, bah ils ont évolué entre temps, ils ont été perfectionnés, ou quoi, ou machin, ou truc ou bidule. Donc j'ai pas pu me pencher sur tout, vraiment, parce qu'en plus ça m'aurait fait chier de perdre 10 000 ans là-dessus. Sinon, bah écoutez, je pense que l'équipe qu'on a actuellement sous les yeux est pas trop mal. Si peut-être, il y a peut-être quelqu'un de plus gradé que toi. Non, il n'y a pas quelqu'un de plus gradé que toi pour cette mission-là. Alors, j'ai de l'acide, de l'IEM, oui, j'ai de l'IEM là, c'est bien. Parce qu'on risque d'avoir beaucoup besoin de l'IEM, du coup... t'as quoi comme armure, toi? La spectre, bien. Bien. Du coup, je sais plus trop ce qu'on avait déjà vu, ce qu'on n'avait pas vu. Enfin, c'est vraiment le bordel. Radar d'armes à dispo, fabrication d'objets. Non, bah écoutez, on va se lancer. Merde, elle a pas la bonne épée, elle. J'avais pas débloqué les dernières épées. Et vraiment, les FPS tiennent le coup, quoi. C'est merveilleux. C'est vraiment ça le gros souci que j'avais, quoi. Vraiment, les FPS, qui se tenaient pas. Cette forge est un site de production extraterrestre. Probablement bon, pendant le chargement, ça compte se péter la gueule, mais ça, c'est normal. Advent et les extraterrestres ne seront pas contents de nous voir, et le combat sera acharné. Nous devons tout faire pour savoir ce qu'ils fabriquent exactement là-bas. Ça se maintient à 25, c'est bien. C'est pas mal. Parce que ouais, vraiment, avant, avec le histoire de boîtier, il fallait que... Parce que, par exemple, pour l'idée d'installation, c'est vraiment le boîtier, il faut que je le mette derrière la télé, il faut que je le branche correctement, que je le relie au PC, que je vérifie bien qu'il y a le son qui arrive. En plus, ce PC... Enfin, ce boîtier, il fallait que je relie à mon PC portable de ma copine, c'est-à-dire qu'il fallait que je ramène le PC portable de ma copine, que je le branche, que je machin, que je configure. Fallait que je branche mon casque sur le boîtier d'acquisition si je voulais que j'aie du son, puisque du coup, le son était plus sur le PC, mais était vers la télé, pour enregistrer le son sur le boîtier. Ça me demandait de gérer un enregistrement sur le PC et l'enregistrement du micro sur le mien. Enfin, c'est... Wouh ! Là, tout est ensemble dans un coin, c'est bon, c'est parfait, c'est génial. Menace 1-5, ici le Talion. La base est à portée. Allez voir ça de plus près. Ok. Alors, les réglages... Ouais, non. C'est ce que j'avais peur. Il y a eu quelques mises à jour entre temps et mes réglages... Jeu, peut-être Oui. The odds of seeing soldier with... Ça va être les chances de voir un soldat avec une armure poète. Je veux changer mes touches. Affectation des touches. Alors, tac. Naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Ok. Confirmer, annuler. Puis pour parler, sérieux, il y a ce genre de touches. C'est tactique peut-être. Contrôle la caméra. Caméra. Attendez. Ah, menu, d'accord, menu, c'est pas la même. Alors, caméra tactique. Oh, oui. Bas, gauche, oui. Gauche. Attends. Oh, gauche, droite. Pivoter vers la gauche, pivoter vers la droite. Bien.
Bien, 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 bien. Ça devrait le faire. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va. Alors, oui, non, la souris, ça va pas. Excusez-moi. Je suis désolé, hein, c'est la reprise. Hein. C'est la rentrée. Tactique, zoom, dézoom. Ici, oui, si c'est l'isium, l'isium. Zoom, 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 zoom. Régler le niveau de zoom. Ouais, mais. Ah, monter niveau. Ça a pris? Oh. Je suis pas sûr que c'est. Je crois que c'est bon. Je suis pas sûr, je sais plus comment j'ai configuré le machin. Bon, je suis désolé vraiment, mais voilà, c'est la reprise. Il faut tout refaire, il faut tout régler, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et c'est fluide, quoi, c'est même plus fluide qu'avant que j'utilisais le boîtier, quoi, c'est incroyable. Course a été bien. Mais donc, pour revenir rapidement sur. Voilà. Sur cette histoire de chauffe PC. En fait, il s'avère que mon PC était lent tout simplement parce que le ventilateur apparemment ne fait pas faire son taf correctement. Ou peut-être la pâte thermique qui avait séché, je sais pas trop ce qui a pu se passer pour que ce soit vraiment la merde à ce point-là sur ce truc. Je m'en charge. Mouvement ennemi, par ici. Ok, les ennemis, ils sont là-bas, ils sont bien, ils sont heureux. C'est cool. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais bref, il y a un truc clairement qui allait pas. Bien sûr, je bouge. Et moi, depuis que j'ai changé mon ventilateur, c'est ouf le gain de performance. Donc à mon avis, en fait, le PC devait être effectivement un peu en permanence en surchauffe. Je suis en route. Merde, je l'ai pas mis à couvert, je crois. Ouais, il est pas couvert. Fuck. Je disais donc. Oui, à mon avis, le PC était plus ou moins en permanence en surchauffe, du coup, les performances étaient limitées par le processeur lui-même qui disait: Oula, attends, j'ai chaud là, t'arrêtes de me faire crasher mes boyaux, tu me laisses tranquille. Et du coup, sans même faire attention, bah, j'avais en permanence ce PC qui était à 50, peut-être 25% de ses capacités, quoi, c'est un truc de fou en fait. Donc maintenant vraiment, je tiens les 25 FPS sans souci. Vraiment quand je suis sur PC, je suis toujours à 25 FPS parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Pour que l'image soit regardable et une fluidité correcte. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font du 60 FPS, mais je trouve pas que pour ce que je fais, ce soit vraiment intéressant 60 FPS en fait. Alors. On va y aller, on va y aller. T'as quoi, toi? T'as rupture maintenant? Oh, c'est cool ça. Plasmic incendiaire. Je préférais plutôt des grenades d'acide parce que en face. Bombe acide. En face, les deux gogoles, là, il y en a un qui a de l'armure. Je lance une grenade! Grenade! Poum! Ça faisait longtemps. Oh, il y en avait un autre caché. Enfin, je crois. Ah non, non, non. Salut les bitches! Alors, qui va tirer? Toi, t'en es où? T'as tous tes grades, toi? C'est bon, t'as tous tes grades? Parce que j'avais souvenir que ça a été un peu la misère au niveau des grades, des montées de grades. Toi, est-ce que t'as une capacité intéressante, toi? Genre, tire-moi, t'as 10% de chance de coup critique. Protecteur, pour chaque tir de vigilance réussi, 50% de chance d'effectuer, machin. Punition, ça laisse tuer un ennemi situé dans une position inférieure. Physique précision, coûte. Un action. Ouais, ça c'est cool ça. Vision commune, ok. Donc, ce qui peut être éventuellement sympa,
c'est de lui caler une balle entre les deux yeux à coup de sniper, et puis lui peut-être essayer un coup au pistolet. Alors, essayons cela. En plus, t'as 100% de chance, vas-y. Bute-moi ce sac à foutre. Et il décède. Tu t'attendais à quoi? Et lui, peut-être tu le tues. Peut-être. Ouais, on ne l'a pas trop en demandé non plus. Ah, je suis pas content. Ah bah c'est bien. Je voudrais... S'il te plaît, je voudrais Sanji. Merci. Sanji, approche-toi. Et transforme-moi ce connard en gruyère. Franchement, j'ai le jeu qui est plus fluide qu'avant, quoi. Alors que j'enregistre avec Fraps, c'est génial. Ah, je suis content. Le investissement des dons des abonnés, très rentable. Très très la rentabilité, hein. C'est pour moi comme pour vous, ça a été un achat judicieux. C'est parti. Vraiment. Et j'ai pas sauvegardé, quoi, je suis qu'un trou du cul. Bon, on fait une nouvelle sauvegarde au pif. Voilà. Oui, vraiment. Alors, pour, on va peut-être reparler des dons, parce que j'avais mis en place ça, effectivement, sur les dernières vidéos. Mais du coup, peut-être faire un point à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, il y a trois personnes qui ont fait des dons. Il y a eu The Dom, il y a eu Jack Dragonfly, et il y a eu Romano, mais Romano, il compte pas, c'est un troll, on l'emmerde. Le pauvre Romano. Et ouais, ça, l'air de rien, ça m'a quand même mis pas mal de sous dans la cagnotte et ça m'a permis effectivement de changer de ventilateur. Que c'était pas gagné quoi, parce que j'avais juste 20€ sur le compte avec la YouTube Money là. Et avec 20€ pour changer de ventilateur, c'est un peu juste. Hein. Que ça m'a donné juste ce qu'il faut. Le Yeti Blue a l'air de tenir pour l'instant. Mais clairement, prochain investissement à faire pour les vidéos, ça va être le Yeti Blue, quoi. Enfin, ça va être un remplaçant pour le Yeti Blue. Et ça, c'est pas gagné. Je dois pouvoir faire ça. Comme je vous ai dit déjà précédemment, normalement, le Yeti Blue, c'est une centaine d'euros. 100 à 150 euros. Okay. J'aimerais bien en reprendre un, mais... Oh! Bonjour, monsieur. Connaissez-vous notre seigneur Raptor Jésus? Non, apparemment, il s'en fout. Alors, c'est le moment d'utiliser de l'IEM. Toi, t'as des balles IEM, si j'ai pas de bêtises. Et bah, ça va être l'occasion de s'utiliser à 92%, ça va être très bien. Tir de rupture, inflige des dégâts critiques, les attaques suivantes occasionnent plus 3 de dégâts à la cible. Et je peux le faire autant de fois que je veux. La seule chose, c'est que je crois que ça me bousille toutes mes munitions, la rupture. Ouais, ça me bousille toutes mes munitions. Bon, c'est pas grave, ça. Allumez-les. Rambo, sac à merde. Oh putain, il l'a tué. Ah ouais. Ah dis donc, je viens de tuer un sectopode en un seul tir quoi. Trop balèze. Bien joué jeune homme. Jeune homme. J'ai voulu dire Zodom, j'ai dit jeune homme. Mais Zodom est encore un jeune homme. Malgré son âge mature. À vos ordres. Et ses poils sur le torse. Affirmatif, je couvre la zone. Mais... Comment dire, c'est pas pour faire un putadon, mais vraiment au niveau des dons, n'hésitez pas si vous avez envie. Après, si vous avez pas la possibilité, bah écoutez, c'est pas grave, quoi, encore une fois, hein, vous avez le droit de ne pas pouvoir donner des dons, hein, ou ne pas vouloir même, hein. Rien ne vous y oblige. C'est juste que voilà, quoi, concrètement, moi actuellement, si je voulais pouvoir m'en sortir niveau vidéo, ouais, c'est quoi ce style de voix qu'il a là,
Ça va pas du tout. Vas-y, surveillance. Mais ouais, parce que vraiment, actuellement, j'ai aucune rentrée d'argent. Même le Pôle emploi s'est arrêté, là. Et c'est clair que bah, les vidéos, ça coûte des thunes, quoi, et ça en rapporte pas forcément. Donc pour pouvoir continuer à avancer, à progresser, bah, au bout d'un moment, t'es un peu bloqué, quoi. Malheureusement, l'argent, ça fait pas tout, mais ça joue quand même. Tout de suite. Parce que voilà, quoi, vous avez vu, quoi. Investissement de 50 balles, hein, le ventilateur. Hein. Livraison comprise. Je crois que j'ai jamais aussi bien investi 50 balles. On peut y aller. Ah, il y a un rechargement gratuit en plus. Bah peut-être plutôt là du coup. Ça fait un peu con comme comme voyage, mais là il y a rien à couvert, quoi. Il a pété complètement l'arbre. Ou bien sinon surveillance, hein, vigilance, voilà, au cas où. Ça peut toujours servir. Les gars, vous êtes vachement loin. Rapprochez-vous. Tout le monde autour de la bagnole, quoi, on dirait des des racailles qui veulent braquer une bagnole. Vas-y, crochette la serrure. Vas-y, crochette ta mère, là, qu'est-ce que tu me donnes des ordres. Ce qui serait bien, serait de te positionner à un endroit où tu pourras avoir une meilleure, la meilleure couverture possible, toi, du coup. Pas grand-chose disponible à ce niveau-là, quoi. Mais comment? Oui, sinon j'ai revenu sur le micro actuellement, donc j'ai vraiment pas eu de nouveaux problèmes de bug de Barry White, là, comme je l'appelais. Avec le Yeti Blue, mais clairement il est en fin de vie, donc faut vraiment que je pense à le changer. Mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 micros pas trop chers et assez bien cotés, on va dire. Mais pas en USB, et ça me gêne un peu. Je voudrais continuer quand même sur du micro USB. Enfin, du micro qui se branche en USB. Pour la qualité de son qu'il y a, parce que vraiment, en plus, ma carte son, mes prises casque à l'avant de mon PC, elles sont pas top. Bien sûr, je bouge. Je crois qu'il y a une espèce de court-circuit qui se fait avec l'USB, parce qu'en fait, si je... Ah, est-ce qu'ils m'ont vu? Ça a pas l'air. T'es, ils m'ont vu. Ah, j'aurais peut-être dû garder ma grenade d'acide pour eux, là, c'est... Et qu'il a un peu d'armure, ce troufion, là. T'as quoi, déjà, comme truc? T'as la mine cérébrale, toi? Ah ouais. Oh, une petite mine cérébrale. Ah, moi, je suis chaud pour la mine cérébrale, là. Ah, je suis méga chaud. Bah, toi, je suis là aussi, toi. Oh, oui. Attendez, on va sauvegarder. Au cas où ça se passe mal. Genre vraiment mal. Parce que sinon, il y a tout le monde qui est là, qui est présent, qui est chaud. Ça n'a pas fonctionné. Ah, ça n'a pas fonctionné pour la cinématique. On a des advents par ici. Par contre, ouais, apparemment, j'ai ramené pas mal de monde en plus. C'est pas très bon tout ça. Ah, en plus il se met en vigilance, le connard, quoi. Même pas il vient. Hein. Ouais, ça pue un peu trop la merde comme situation, là. On va charger. Aouh, j'ai de me griffer la gueule. Genre violent. Mais ouais, qu'est-ce que c'est au niveau du micro? Ouais, je préfère rester en USB, je trouve ça plus pratique, en fait. Le truc, c'est que si je reprends un micro, j'hésite en fait à vraiment reprendre un Yeti Blue, parce que j'aimerais bien un micro peut-être sur... Pas sur pied, sur...
Ah, c'est vrai que ça pourrait être cool. Si je dis feu à la mine cérébrale. Bon, de toute façon, je dis feu à la mine cérébrale parce que sinon je vais m'attirer tous les autres gogoles derrière. Avec 100% de chance. Il a 8 PV, mais il a un point d'armure. Est-ce que tu peux me tenter un œil de lynx? 90% de chance, ça me va. Boum! Abattu comme un clébard. Ça se passe comme ça. Effectivement, ça se passe comme ça. Alors, par contre, là, monsieur... monsieur, j'ai des grandes papates. Ouais, alors mon bon vieux dôme... Pourquoi tu peux pas bouger, dôme? Tu m'expliques? Ah, je viens de le bouger, je suis con. C'est lui le dernier que j'ai bougé, oui. Parce que ça me ferait chier d'utiliser... Ah, j'ai deux grenades UEM. Bah, très bien, parce que je crois que de toute façon, il y a que deux... Il y a que deux armures avancées. Il y aura peut-être une troisième après qui débarquera en renfort, mais c'est tout. Est-ce que tu peux lancer maintenant? Est-ce que tu peux le toucher? Tu peux le toucher. Go. Toum. Oh bah critique, dans ta face quoi, c'est... Hop là. En plus comme ça, il peut encore bouger, ce qui est quand même pratique. Toi tu vas te mettre là, t'auras une meilleure protection, et tu pourras laisser... ton copain. Pourquoi je le dis avec cet accent, j'en sais rien du tout. Pas de soucis, chef. Ouais, mais ça va être trop avancé là, je pense. À vos ordres. Est-ce que toi, ton cours et tir est bientôt rechargé? Il est déjà rechargé. Bon. Tu vas te mettre là, il sort d'avancer un peu. Je passe en vigilance. Je reste en observation. Salut. Oh, pleine tête. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, il a pris tellement cher, quoi. J'aimerais pas être son dentiste. Ah, je crois qu'il y a encore une armure derrière qui bouge. Ah bah oui, oui, il y a un Andromède. Encore un Andromède qui zone. Donc ça serait peut-être bien de garder une grenade d'UM pour lui. Et du coup, ça fait 4 fois que je l'ai fait cette mission, à l'air de rien. Parce que je l'ai fait une fois quand... bah, j'ai fait une première fois le jeu pour moi. Je l'ai fait une deuxième fois en vidéo. Je l'ai fait une troisième fois. Et puis ça... enfin, premier enregistrement de vidéo... Enfin, premier enregistrement de vidéo qui a merdé donc avec le son, j'ai refait la mission à un moment, j'ai commencé à essayer de faire l'enregistrement, mais c'était tout bugué, ça avait tout merdé, enfin c'était pas bon. Et puis nous revoilà pour un nouveau tour. Alors, je pense peut-être plutôt envoyer Wolfie faire le premier tir pour dire de lui péter son armure. Va falloir que je change tes voix, toi. Ou tu veux faire une rupture? Vas-y. Ça va pas être agréable. Mais il l'a désingué. Eh, hey, je me débrouille. Hein. Carrément. Mais il me l'a atomisé, quoi. Et puis donc, bah, ce trou du cul là, tu me l'atomises. T'as pas des chances de fou, ce qui m'étonne un peu, mais tu me l'atomises quand même. Bien, elle a même putain, elle a tout défoncé quoi. Cible abattue.
Alors, ma cocotte, ça serait bien que tu laisses tes couvertures en état, s'il te plaît. Hein, c'est... Voilà, les couvertures faites par grand-mère en laine et tout. Tout ça. Un peu de respect. Vas-y, avance. J'y cours. Normalement, on est tranquille de ce côté-là. De l'autre côté, il devrait y avoir un Andromède. Donc, les Andromèdes, pour rappel, c'est les... Je suis parti. Les espèces de méca avec un mec dedans qui baigne dans l'acide. Tout de suite. La vraie vache prie que quand en plus tu tues le mec, ensuite t'as le robot qui passe en mode automatique vénère. Pour bien te casser les couilles. Ils sont quand même beaux avec les armures spartanes. Ça a quand même la classe. Ah, c'est qu'il n'a pas encore la vigilance automatique du coup, lui. Tiens, va piquer les objets. Tout de suite. Crosse avancée et ultra concentration. C'est bien ça, ultra concentration. C'est bon, ah. Il s'est passé des choses avec les cadavres, c'était intéressant. Ouais, on va te poser là. J'y vais. Dark... Ouais, je préférais que ce soit Dom plutôt qu'il avance, mais il n'y a pas beaucoup de couvertures intéressantes. Vu que Dom a, pour rappel, les munitions écran bleu. Ce qui est quand même super pratique. Contre tout ce qui est mécanisé. Tout de suite. Tac. Toi tu peux aller où? J'y vais. Merde, j'ai dû te faire recharger. Quel con. Écoute, toi, t'es bien là pour l'instant. Je passe en vigilance. Toi, tu vas rejoindre tes potes. J'y suis déjà. Oula. Pendant 3 secondes, il était sous le pont. Ouais, je maintiens ma position. Ouais, il y a encore pas mal de robots là-dedans. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Tiens, tu peux jeter un œil, toi? En position. Ah. Messieurs, bonjour. Alors, comment procéder? Parce qu'en plus, là, il y a l'Andromède. Le saloperie de cunard de sa mère en string qui va faire chier tout le monde. C'est une IEM. Ah oui, j'ai le missile nucléaire. J'ai le missile nucléaire. Faisons ça. Missile nucléaire. Ah, ça y touche les deux là. Allez! En plus, oui, il a salve, donc du coup, ça compte même pas comme un tir. Il peut faire ça compte comme un tir, mais il peut encore faire une action derrière. On va garder ta grenade du M, du coup, pour ça. Où t'es, toi? T'es là. Ah, c'est lui qu'il faut buter absolument. Il a l'air comme il se relève quoi. Ils font les Shadows qui pompent.
Non, attends, les incendiaires et les grenades plasmiques. IM. Grenade lancée. Suppo. Allez hop, critique, t'es mort. Cible éliminée. Est-ce que ce sera assez prêt pour lui mettre une bastos? Si je la mets là, je crois pas. Je me dirige vers la position. Si! Bon, c'est un peu loin. Mais au moins tu peux tenter. Oh, critique dans ta face! Eh, mais c'est une équipe de professionnels que j'ai en fait. J'avais complètement oublié. J'avais oublié qu'ils étaient aussi craqués, ces mecs. Truc de fou. Allez, voilà. Je m'en occupe. Ce ne sont pas des civils. Ils sont d'Advent. Oui. Et à en juger par la condition du sujet, je dirais qu'il a été fabriqué récemment. Pas étonnant qu'il y en ait autant. Alors, du coup, bah toi, tu vas aller là. À vos ordres. On va y aller mollo. Mon petit Wolfie. Ah bah oui, toi, t'as déjà joué. C'est qui, c'est autour de qui, maintenant, là? Ah, y'a plus que lui? D'accord, je pensais qu'il y avait encore quelqu'un d'autre qui avait pas fait de tir, mais... Ah! Y'a le feu! Ah, c'est bon, c'est passé, ok. Normalement, il n'y a plus personne, hein. Ouais, passe par dehors, toi. Ok, je bouge. Je suis parti. Progresse. D'abord des cadavres humains, et maintenant Advent. Quelque chose me dit que ceux-là n'ont pas été enlevés. Ça ressemble plus à un centre de production pour moi. La configuration est différente. Serait-ce possible? Tous les soldats d'Advent sortiraient donc d'ici? Difficile d'affirmer que quelque chose est impossible avec les extraterrestres. C'est pas faux. Attendez voir, je crois qu'il n'y a pas les sous-titres. Modifier les options. Volume des voix, tu peux en parler. Dialogue des soldats. Connais d'écran, gamin. Activer synchro, lissage, framerate. Putain, j'ai pas mal de trucs qui sont encore en bas. Bah, faut mieux que ce soit fluide. C'est déjà pas mal joli, hein. Après, j'ai déjà vu le jeu tourner en ultra machin à fond. C'est mieux, mais... Enfin, voilà, quoi, c'est... Alors, je veux peut-être... voir la santé de l'ennemi, option rapide, interface... Activer les sous-titres, merci. Tac... Il n'y a pas trop de points à l'abri. Ah oui, protocole de soutien. Je me demandais ce que c'était en fait, cette icône. Ça ressemblait à course et tir, mais il me semblait pas qu'il y avait course et tir lui. Affirmatif. Trabu. Est-ce que tu peux grappiner quelque part?
Oui, tu peux, sauf que là, tu vas te casser la gueule, mon pote. Là, dans pas de temps, ça, dans pas beaucoup de temps, ça crame et t'as la gueule par terre. Genre pour de vrai. On va le faire plutôt passer par le côté. Compris, j'y vais. Pour te caler sur le toit. Le moment venu. Tout de suite, reste sur place. Ah, puis-je? Il y a encore du méca qui traîne? Sérieux? Sérieusement sérieux? J'y vais. Ouah, t'es encore un Andromène, tu sous de ma gueule. C'est vrai qu'il est censé avoir du sectoïde mais que je n'en ai pas encore croisé. Qu'est-ce qui te reste toi déjà? Ah t'as plus rien, t'as grillé toutes tes grenades. Je dois pouvoir faire ça. T'as le mur bouclier mais... Mais affiche le code égal à 6. Ouais, mais après, derrière ça, t'as Tyrone qui va juste l'atomiser à coup de pompe. Ça me va. Go! Ah, t'as pas tout pété autour, quoi. T'as juste pété ce qu'il y avait devant lui. Bah bravo. Bah, bravo. Eh bah, elle est belle, la France. Ah, parce que du coup il y a encore tous ces boucliers. Ah, mais elle a pas des balles qui ignorent les boucliers, elle. Mission peut fabriquer un. Ces missions mortelles transpercent toutes les armures ennemies et infligent la totalité des dégâts. Oui, bah c'est bon. Attends, on va faire ça. Le doigt sur la détente. J'y cours. Menace 1-5, ici le Talion. Le colis est à portée. Bonjour, connaissez-vous notre seigneur et maître à tous, Pikachu Jésus? Oh! C'est fait. Alors, maintenant j'ai besoin d'hommes. Dum-di-dum-dum-di-dum. Est-ce que toi tu peux le voir depuis là où t'es? Tu peux, très bien. Bah écoute, tu vas passer là. J'y vais. Pour laisser ta place à Dum qui aura ainsi de meilleures chances de tir avec ses munitions écran bleu qui sont quand même vachement pratiques. Je dois pouvoir faire ça. Il faut le reconnaître. Et voilà! Fais la sieste! Ouais, je me débrouille! Il est où Sanji? Il fait quoi? Il est là. Tente-moi de me le buter, ça te fera de l'XP. En plus, ça rime, c'est merveilleux! Et il meurt! C'est beau! Extraterrestre neutralisé. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, Dark, vas-y. Tout de suite. Vu que t'es médic, c'est pas trop grave si, si tu peux pas trop jouer. Allez, allez, allez! Scan en cours. Parce qu'en fait, quand on va se pointer là... À vos ordres. Préservez le spécimen à tout prix.
Menace 1-5, acquisition du colis confirmée. Évacuée. Ok, bah c'est bien, en plus ils me mettent le point d'extraction juste à côté. Parce que tous les autres fois ils m'ont mis le point d'extraction à Bebelwed, c'était la misère. Bon, ouais, mets-toi à l'abri là. Je suis parti. Des fois que quand les Gaulmons débarquent, ils fassent trop chier. Tu seras bien à l'abri. Kelly. Alors, ceux qui débarquent, c'est juste là. Il n'y a pas moyen peut-être de te mettre en hauteur. C'est dommage ça. Bah écoute, tu vas te mettre ici. Je me dirige vers les coordonnées. Et tu vas me les transformer en gru-gru dès qu'ils arrivent. Viens par là. Et quand je dis gru-gru, je parle pas de l'engin de chantier, hein, merci. Je vais me mettre en position. Ouais, parce que ce dame, il n'avait pas compris le coup, il a commencé à rassembler les morceaux des os des machins pour faire une grue, c'était ridicule. Hein. Tout de suite. Avec des tendons et tout pour faire les fils, non mais c'était dégueulasse en plus. C'était absolument dégueulasse. Ouais, ah. J'y vais. Je devrais pouvoir leur tirer dessus quand ils débarquent. Mon petit Wolfarion. Mon petit Wolfie. Des fois qu'il y a besoin de toi. Bon, toi, t'es très très bien placé. On peut peut-être te mettre encore plus haut en fait avec le grappin. Ouais. Je grappe. Oui. À travers le temps et l'espace. Surveillance. Je passe en vigilance. Je me mets à couvert. Allez, amenez-vous. Vous avez tellement ramassé les mecs. Oh. Oh, c'était beau. Cible neutralisée. Bon débarras. 3 tirs, 3 morts, merveilleux. On a plusieurs ennemis qui avancent sur nous. Eh bah qu'ils y viennent. Alors Tark, oh tu peux directement aller sur la zone. Bah vas-y. Go mec. Ouh, il se permet même un petit Starsky Hutch par-dessus le truc d'Advent. Quel homme, quel homme, quel homme, quel homme. Vas-y, barre-toi. Allez, on y va. Rentre chez mémé. Et vive l'armure spartane. Hein. Pour porter un mec comme ça. Statut confirmé. Le colis est sous bonne garde. Vraiment, vraiment content d'avoir mis ce mode. Hein. Ça a quand même la méga classe. Je m'en occupe. Compris, j'y vais. Parce que du coup ils sont tous un peu loin. Même de la zone de débarquement. Alors on fait bouger tout le monde. À vos ordres. Je passe en vigilance. Ah c'est que toi du coup t'as rien fait. Ouais bah mets-toi à côté de ton pas pote. De soucis, chef. En vigilance. Ça marche.
Ah oui, c'est vrai que du coup tu... Ah bah oui, mais même de toute façon ton flingue est complètement déchargé. Ah, il y a un méca. Trop loin pour faire une mine cérébrale, c'est dommage ça. Ah, mais on les voit pas? Ah, bah si, ils sont là. T'as plus de grenades. Toi, t'en as des grenades? T'en as encore. Bah écoute, toi, tu vas dans la zone. Pas de soucis, chef. Incendiaire ou plasmique? Plasmique. Alors, normalement, ils sont quelque part par là. Je vous prépare une petite surprise! Attention, gâteau! Puis ils bougent pas? Ils viennent même pas! Si? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je peux évacuer tout le monde. Normalement. Ouais, je peux évacuer tout le monde. Bah écoutez, évacuation! Aucun problème! On va pas se rentrer de plus que ça, ça aurait été sympa de gratter un peu d'XP, mais bon là ils sont pas décidés à venir. Ça roule. Ouais, j'y vais. Tout de suite. Évacuation totale. Nous avons ce que nous voulions. Dégageons de la zone. Ce troll quand même. C'est que du coup par contre ce qui est un peu con c'est que j'ai plus de... J'ai plus le temps directement affiché sous mes yeux. Parce qu'avant sur le PC de ma copine je pouvais voir depuis combien de temps le logiciel d'enregistrement tournait. Et maintenant non, donc je sais pas trop où est-ce que j'en suis au niveau du timing parce que j'ai pas trop regardé. Bon, de toute façon, je vais couper la vidéo ici. Parce qu'en plus, je commence à avoir envie de bailler. J'ai pas été une seule fois visé quoi. Ah, cette opération de commando quoi. Les vrais bérets verts, la Légion étrangère, ils étaient là, ils étaient présents. Ils étaient en armure spartane. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas regardé les mods, quoique si j'ai été voir régulièrement ce qu'il y avait disponible vite fait sur le workshop. Et en ce moment, c'est un peu mort, quoi. Bon, après, le jeu, du coup, est sorti depuis un moment. Je pense que la communauté commence à un peu s'estomper, entre guillemets. Ce qui est un peu dommage, quand même. Après, c'était souvent la même chose, il y avait des voice packs qui se faisaient à droite à gauche, mais c'était tout des trucs en anglais, donc voilà quoi. Ce qui est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un voice pack genre Deadpool ou Duke Nukem en français, ça aurait été marrant. J'aurais pensé des bonnes punchlines. Même Bruce Willis. Ah, oh, Bruce Wallace. Par contre, le temps de chargement de l'infini, là... On se croirait, c'est une Force Speed Underground 2, là, les gens, s'il vous plaît. Surtout que c'est juste pour charger le... Oh! C'est juste pour charger le vaisseau, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il faut autant de temps? Ah bah merci! Putain! Truc de fou! Si on
maintient ce rythme, les extraterrestres n'ont aucune chance, commandant. Je montrais bien un peu le, quand même, le niveau de résolution des textures, mais comme on est déjà parfois juste à 25 FPS, j'ai pas envie qu'on ait des trop grosses baisses de framerate. Tir de couverture, les tirs de vigilance se déclenchent pour toutes les actions ennemies, pas seulement les mouvements, ça c'est bon. Sur une danger, hein, désormais gagner la cible, un tir de couverture en mode vigilance, mais le temps de rechargement du protocole augmente d'un tour. Non, on s'en fout, tir de couverture. À l'intérieur de la combinaison récupérée, nous avons trouvé ce qui pourrait être le prototype des forces apparemment illimitées d'Advent. Même si je me concentre uniquement sur ces recherches, il faudra beaucoup de temps et de ressources pour l'analyse complète du spécimen. Ok. Alors la croix avancée, c'est 2 points de dégâts. Par contre, le volonté, en fait, ça sert à rien. Je pensais que c'était le truc pour viser ou quoi, mais en fait, non. Maison de stase. À l'intérieur de la combinaison de stase récupérée dans la forge d'Advent, détectons la présence d'un organisme humanoïde indéterminé. Un nouveau type de soldat d'Advent, un extraterrestre encore inconnu à ce jour. À en croire le niveau de sécurité protégeant cet élément, il y a certainement une grande valeur aux yeux d'extraterrestres, même s'il faudra une analyse poussée pour découvrir leurs intentions à son sujet. Et il a encore une barbe, ce trou du cul! Vos découvertes dans la forge sont déconcertantes, commandant. Si les extraterrestres réunissent ou créent les soldats d'Advent en masse, nous allons avoir beaucoup plus de difficultés à les vaincre. Je vous laisse enquêter sur la question, votre équipe et vous. Déconcertante, ça veut dire que ça arrête les concerts, c'est ça? Oh la blague de merde, c'est merveilleux. Je crois que nous avons du pain sur la planche, commandant. Oui, bah ça attendra la prochaine vidéo, hein, s'il te plaît. Laisse-moi un peu me remettre de mes émotions, là. Ça faisait 10 000 ans que j'avais pas fumé du XCOM 2. Je suis assez étonné de la performance que je vous ai proposée. J'aurais pensé être vraiment à la ramasse, mais ça va. Ça s'est pas trop mal passé. Donc bah écoutez, on va s'arrêter ici. Je vous dis à plus souvent de manger des pommes, vu de les porter, ou bien passer sur mon Facebook et mon Twitter pour être tenu au courant de ce qui se passe autour de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, et laisser un commentaire si quelque chose à dire. Et encore une fois, si vous vous sentez... le cœur généreux, n'hésitez pas à faire un petit don, il y a le lien qui est pour faire ceci qui est disponible dans la description. Évidemment, faites pas le don avec la carte de Tata Janine, hein, s'il vous plaît. Merci. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé, quoi. C'est vraiment si le cœur vous en dit. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tout le monde, mangez les pommes, portez-vous bien, je l'ai déjà dit en fait. Donc bah écoutez, à plus tout le monde pour la suite de XCOM 2, qui j'espère mettra pas 2 mois à arriver cette fois-ci. Voilà, j'espère. Allez, salut tout le monde.